Salut à tous, c'est Cantinox01 et on se retrouve pour un nouveau let's play. Un nouveau let's play, oh my god. Sur un jeu, un des meilleurs jeux selon des joueurs de PlayStation. Le meilleur jeu pour eux, c'est The Last of Us. The Last of Us, un jeu qui est sorti en 2013, qui est ressorti sur PS4 en Remastered. Nous sommes sur PS4 et j'avais vraiment envie de jouer à ce jeu depuis qu'il est sorti. Parce que bah, c'est un jeu qui m'attirait vraiment au niveau de son ambiance, de ses graphismes et tout. Et là, qu'il ressorte sur PS4, bah, ça m'avait vraiment attiré vu que j'ai la PS4. Et en plus, il était à 15€, donc là, je l'ai pris direct, 15€ pour ça. C'est vraiment pas cher, surtout pour un jeu de cette qualité. Donc voilà, on se retrouve pour un nouveau let's play, le retour des let's play. Alors, ça sera un let's play un peu moins, comment dire. Il y aura moins d'épisodes par semaine parce que, comme vous savez, j'ai pas non plus toute la semaine pour tourner des vidéos, mais ça sera quand même, il y aura quand même des aspects à chaque fois, des épisodes chaque semaine. Et donc voilà, donc c'est parti, The Last of Us. Alors j'ai pas pris la Fabian parce que voilà, faut pas prendre pour un requin un peu. Alors nouvelle partie, facile, normal, difficile, survivant, réaliste. Tu vas te calmer, normal. Réaliste, toujours plus. On va pas mettre réaliste parce que réaliste c'est un peu, voilà, faut pas prendre. Cantinox.requin, mais j'ai vraiment super hâte. Plus c'est sur les zombies, j'adore les jeux avec les zombies. La preuve, hein, j'ai acheté Dying Light. Donc, bah, c'est parti. Je pense qu'il y aura une cinématique. C'est pour ça que je dis c'est parti. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Ok, donc on se retrouve. Alors, attendez, parce que là, ça me plaît pas du tout. Ça, option, jeu, sous-titres. Oui, j'ai oublié de mettre les sous-titres. Bon, hein, j'oublie tout le temps dans ce jeu. Enfin, dans les jeux comme ça. Donc voilà, nous sommes une petite fille de Villeur. What the fuck, c'est pas du tout ça. Mais c'est le début, hein, faut se calmer. Alors. Alors, moi, je suis quand même quelqu'un qui regarde beaucoup les. Je vais lui donner ça. Ok. Qui regarde beaucoup les détails. Alors, voyons, tu n'es pas, je vais m'en arrêter, pas prôner, ok.
On pense, j'espère que la blague sur. J'espère que c'était une blague qu'elle vendait de la drogue dure, parce que c'est une petite comme ça, vendre de la drogue dure, on est un peu mal barré, hein. Donc voilà, vous voyez quand même, c'est quand même dingue. C'est Naughty Dog qui font ce jeu, ceux qui ont fait Uncharted 4. Bon, il sortit après, mais voilà. Ça, c'est un jeu qui est sorti en Papa? 2013, hein, je vous rappelle. Et il est dingue niveau. Regardez-moi ça, regarde. Regardez les détails et tout, c'est Naughty Dog. Donc là, on voit bien que c'est Naughty Dog parce que c'est dingue. Par contre, je peux pas courir, ça me saoule. Tu vas un peu trop lentement. Tu es là? Sont en fait liés à la pandémie qui Qu'est-ce frappe que tout le t'es pays. passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des C'est signes près croissants d'ici? d'agressivité Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ah oui, il y a l'explosion de là. Non, mais c'est quoi ça? Ok. Bon, c'est un jeu. Hein, déjà, c'est pas un jeu pour tout le monde. Hein. C'est âme sensible, voilà. Je tiens à dire, c'est un jeu Peggy 18. Mais là, c'est quand même dingue. J'adore ces jeux. C'est un jeu sur l'apocalypse. Hein. Bon, pour l'instant, vous devez dire, what the fuck? What? Genre, il y avait la police et j'ai même pas vu. Regardez les détails, on voit même le truc de dehors et tout. Oh là là, c'est complètement dingue. C'est dingue, 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 dingue. Bon, là, je suis pas du tout dans l'ambiance. Peut-être je vais augmenter le son un peu. Oh. C'est son téléphone. Ah, c'est comme dans Uncharted, les ronds. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es? Rappelle-moi, j'arrive bientôt. Il a pas pris son téléphone, c'est un fou ce gars. Oh, ça a fait flipper, je croyais qu'il y avait un truc là. Mais c'est juste. C'est juste le reflet dans le miroir. Enfin, c'est pas un miroir, c'est une vitre. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer? N'approche pas des portes! Ne bouge pas d'ici! Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Ah! Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy, je te préviens! Non! Allez! Allez! Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez! Allez! Ne me fais passer. T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons-nous des. Ok. Ah, on peut genre. Ah oui, elle s'attache même pas. Mais ça va bien. Je vais devoir un zombie, mais tout va bien. On peut allumer la radio, s'il vous plaît? J'aimerais savoir les informations. Regardez quand même les reflets et tout, c'est quand même magnifique. Hein. Le journaliste s'arrêtait plus. Ok, du coup, il déménage. Il disait, mais installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. On l'a 65. Wow. Ah oui, les voitures, elles vont vite. Hein. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste. Oula, la manette vibre. Oula, oula, calme-toi. La côte ouest. Ah. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Au calme. Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était. Jimmy ne travaillait pas en ville?
c'est ça. Alors, tout bon, moi, je fais des 360 dans la voiture, hein, j'en ai rien à foutre. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Allez, salut! Bon, par contre, c'est vraiment des fils de chiens, là, de faire ça. C'est pas très charité de faire ça quand même. Ah oui, de l'ambiance et tout. Oh, il y a un hélico. J'entends un hélico. Il est où? J'adore les hélicos dans les jeux. Ils sont où? Il est où l'hélico? What? Ah, il est là. Wow! Ah, il y a. Il y a des malades. Oh purée. Oh mais mec, l'ambiance là, déjà ça commence. Allez, fonce dedans, s'en fout. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, 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 accroche-toi. Ouais, y'a personne à ton cul, hein. Là, là. Moi je regarde derrière. Ah! Ok. Papa? Hey! Hey! Recule, Marcus. Recule. Allez. 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 On défonce la vitre. Ah! Ah oui, toi, t'en as rien à foutre. Avec une brique en plus. Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? La jambe. Mal comment? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. Ouais, je compte sur toi, c'est une très mauvaise idée. Ah oui, genre on la prend comme ça, on en a rien à foutre. Ah mais là c'est vraiment la panique. Hein. Qu'est-ce qui... Ah c'est un méchant lui, je me suis dit, il a violé ou comment ça se passe? Wow! Moi je suis en train de frissonner là. Mec c'est trop dingue, là. Non, regarde pas ça, tu sais, elle peut rien regarder. On va où? Wow. Allez, on va où? Il est où, Tommy? Ah, il est là-bas. Ok, il y a une voiture en feu qui roule encore. Oh, mais c'est la panique. C'est tellement réaliste. Ah, ben toi tu peux pas venir. Ah, c'est bête, hein. C'est très très bête. Ah! Hop là, allez. Allez, salut. Oh purée. Avance! Il trouve une issue! Oh non, 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 je veux pas mourir maintenant, non, 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 non. Je peux pas courir. Allez, c'est parti. Oh purée. Par contre, ouais. Tu vas te calmer. On y est presque. Oh, l'hélico, il est où? Ah ouais, j'adore les hélicos. Hein. Attends, mais... Ah, mais il y a un gars qui me suit, là. Ah. Quoi? Mais comment? Presque.
Ok, je pense qu'il fallait pas regarder en arrière parce que le temps qu'il regarde en arrière. Tu peux pas courir, non? T'inquiète, je gère la situation. Je cours là, je suis à mon maximum là. Allez. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah! Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger Los Angeles. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant.
Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Ok. Bon, on est de retour après 20 ans. Bon, c'est un peu... Burn it down. C'est un peu tard quand même. 20 ans plus tard, là ils ont fait un... Je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, je sais même plus comment ça s'appelle. Je peux toujours pas courir ça. Dès que je vais pouvoir courir, je vais vraiment vraiment sauter du joie là. En tout cas, ouais, RIP la fille, je sais plus comment elle s'appelle. RIP, mais ouais, c'était vraiment triste. En plus, ils font mourir déjà une... Attention. Tout citoyen doit être en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Une fille directe dès le début du jeu. On doit encore manquer de provisions. En tout cas, le jeu sur PS3, déjà, c'était une claque pour ceux qui ont y joué. D'ailleurs, dites-moi si vous avez joué à ce jeu. Hein. Oh, les deux immeubles. Ah oui. Bonjour. Oh, tu vas te calmer. Ah oui, là, ils ont pas le temps. Là. Ils ont vraiment pas le temps. On va où? Arrête de te reposer là, elle n'a même pas eu le temps de se reposer. Allez, c'est parti, on y va. En tout cas, c'est un jeu hein, vraiment Zapocalypse. Spécial Zapocalypse. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Est-ce que si je marche, ça fait... Oh là là, c'est tellement détaillé, j'en peux plus. Je vous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. En tout cas, ils ont quand même de la chance, parce que en temps d'apocalypse, ils ont quand même trouvé une habitation et tout, enfin une espèce de ville. C'est pas trop une ville, c'est plutôt un camp. Un peu se protéger. Donc ils ont quand même beaucoup de chance, hein, parce que en vrai, c'est très très... Enfin, c'est chaud, quoi. De trouver des gens vivants. J'ai pris ma journée, je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Wow, il y a déjà du sol. Ah, c'est L1 pour sprinter. Ah, c'est bizarre. Ok, c'est le bordel. Ah, donc on n'est pas des lucioles. Et en tout cas, il y a ma vie qui est affichée. Alors, soignez vos blessures avec un kit médical. Pardon. L'utilisation d'un kit médical prend du temps. Assurez-vous d'un temps de sûr. Équipez-vous et maintenez R2 pour l'utiliser. Ok. Donc là, il se met des petits bandages. Tout va bien. Il faut fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. Entre Robert, c'est... Bon, c'est un joueur de... dans ma team foot. J'y étais. Donc sur FIFA 16, donc ça fait bizarre. RAS, j'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? Vous pouvez avancer un peu plus rapidement là, parce que moi. Ouais, à plus tard. Moi j'ai pas le temps, moi.
verra plus tard. Le mec, il a fait 3 mètres, il n'en peut plus. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Bon, j'espère que ça va t'expliquer les Lucioles, parce que moi, j'en rappelle plus. Hein. J'ai déjà vu des vidéos sur ce jeu, mais ça fait longtemps. Ben, ça fait 3 ans. Hein. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Les gars, il n'y a pas que des gars. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Ouais, t'inquiète. Bon, la télé est un peu ancienne. D'ailleurs, je sais pas quand ça se passe, cet apocalypse, ça veut dire Zapocalypse. Mais non. Oula. On voit rien. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ah. On voit mieux là. Allons prendre notre matos. T'inquiète. En tout cas là c'est un peu des hors-la-loi. Enfin hors-la-loi. C'est pas trop hors-la-loi parce qu'il n'y a plus de loi. Voilà. Mais je veux dire, je pense que là ils ont une mini... Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Mini démocratie quand même. Allez les armes. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Quand on voit qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont pas le temps. R2 sans viser pour recharger. Ok, donc on vise comme ça. Et je vais la tuer, bonjour. Le mec, dès le début, il l'a tué. Allez, vas-y, monte. Prêt ? Bien, madame. Des fois, les dames d'abord, c'est bien. Parce que, bon, s'il y a un zombie derrière elle, au moins elle meurt. Et moi, je meurs pas. Allez, ah, ils avaient... Hein ? Ah, c'est... Ah, très intelligent, ce qu'ils ont fait. Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. Ouh. Ah là, on voit. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben, je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Là, on voit vraiment la nature et tout qui a repris ses droits. Et le jeu qui rame aussi. Bon, hein, on voit pas. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Vas-y, je te suis, bébé. Et là, je peux pas te faire la courte échelle, non? Attendez, si je passe en dessous. Ah, ça me bloque, ah, d'accord. Un petit drap me bloque, voilà. Hé, hey, va regarder par là-bas. T'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, R3, là, ça... Il faut rester appuyé ou quoi? Ah, l'échelle. La fameuse. Super, apporte-la ici. Les actions débloquées, appuyez sur M pour la consulter. Option. Échelle, puis on se passe l'échelle contre un mur. Ouais, bon, ça va, je sais poser une échelle, mec. Tu me prends pour qui? Je fais ça tous les jours. Tous les jours. Bon, j'y vais d'abord. Ah non. Toujours. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Wow. Oh, ça ressemble tellement à Uncharted 4. Ce paysage, ça me rappelle quand on arrive à Nunhaven, pour ceux qui ont joué à The Last of Us. À Uncharted 4. Par contre, on va fouiller, parce que fouiller dans ce jeu, c'est la vie. Que je vous rappelle, c'est un jeu d'apocalypse, on doit survivre. Bon, pour l'instant, hein, on est plutôt bien. Comment on fait pour prendre? Ok, c'est très angle. Récupérer des pièces pour améliorer vos armes. Et oui, parce qu'on peut améliorer nos armes, c'est incroyable. Bon, ça, par contre, c'est pas très réaliste, mais... Voilà. Attendez, on va regarder là-bas. Ok, on peut allumer la lampe torche. R3.
Ah, là c'est mieux. On va tout regarder, il n'y a rien ici. Non, tu pourrais courir, hein, et ça, il me saoule. Faut descendre par là. Hop là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les... Ils sont un petit peu optimistes. Quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends, des sports. Ah oui, là... Ah oui, là, ça rigole plus. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Appuyez sur rond pour vous accroupir, ok. Voilà ce qu'on cherchait. Oh, salut. Salut bébé. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir. Le corps est pas très vieux. Elle a juste besoin de regarder le visage et c'est bon. Le corps est pas très vieux, c'est bon. Déduction. Faut aller où là? Ok. Bon, il faut toujours suivre les points dans ce jeu. Oh, j'ai pas doué. Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi! Mon masque pété! Ne me laissez pas muter! Pitié! Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Alors, en temps d'apocalypse, il faut toujours écouter les gens qui veulent pas vraiment, mais vraiment pas, être. Comment on recharge? Ah non, c'est pas ça. Dernière croix, c'est quoi? Je sais pas. Il faut toujours, si vraiment ils veulent pas se muter, il faut vraiment les respecter, respecter leur choix, parce que c'est quand même horrible d'être muté en zombie. Enfin, je pense que c'est des zombies, hein, parce que j'ai dit zombie depuis une heure, mais ça se trouve, c'est juste des walkers, comme dans The Walking Dead. Que, dans The Walking Dead, c'est pas des zombies, hein, c'est des walkers. Bon, là, je vais voir les rageux qui vont me dire, ouais, mais c'est pareil, là, blablabla. Bon, il faut aller là, je pense. Il y a rien, donc on va y aller. Ah. Maintenez R1 pour concentrer l'ouïe de Joël. Ok, donc on peut voir à travers. Rapprochez extrêmement le facté et attrapez-le en appuyant sur... Ok, je l'étrangle. Ah! Ah, je sais pas viser. Oh, mec! L1 pour vous libérer. Mais mec, tu meurs? Oh là là! Oh, les dégâts que j'ai pris! Voilà, tu dégages! Oh là là! J'ai déjà plus de munitions! Bon, on les a tous eus. Non, il faut que je m'habitue à la visée, hein, parce que c'est un peu bizarre. J'ai plus de munitions. Allez, et j'ai plus de vie. C'est plutôt pas mal pour un début. Bon, je pense là, c'est... Enfin, c'était une espèce de tuto, donc bon. De toute façon, c'est la première fois que je joue, hein, je tiens à le dire. J'ai déjà joué à Uncharted 4 et ça se ressemble quand même. Attendez, on va en haut ou en bas? Non, on va d'abord là. Je veux de la vie. Y'a quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, y'a quoi? Munitions. Ok. Ok, recharge. Voilà, on est bien là. Bon, j'ai 3 munitions. Avec ça, on va aller loin. Mais hein, dans l'apocalypse, vous avez déjà une munition, c'est déjà très très bien. Bon, je fais un petit tuto pour si jamais il y a l'apocalypse, mais bon, hein, on sait que pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Attendez là,
Ouais, parce que les caisses, des fois, ça cache quelque chose. Quelque chose d'incroyable. Oh, oui, le soin. Comment on fait déjà pour mettre le soin? Comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'était pas un soin, ça. Notre frère. Bon, hein, si vous voulez lire, mettez en pause. Et je l'ai mis, si vous voulez lire, mettez en pause. Moi, ça m'intéresse pas trop. Les frangins et tout, bon, on s'en fout un peu de leur vie, hein, là. Mais bon, si je refais jamais, si jamais je refais l'histoire, ça m'intéressera peut-être. Wow. Il y a bien une chose que j'aime ici. Oh, ouais, là, la texture, elle est un peu bizarre. J'ai horreur de l'odeur qui est en ville. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Eh, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Ok, on enlève la caisse. Pas, c'est pas une caisse, c'est... je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Oh là là, cette cachette. Ouvre l'entrée. C'est bon. Bon, on va continuer, après on va s'arrêter quand même. C'est logique, hein, c'est une vidéo quand même. Prenez pas pour un ricain quand même. Mince, c'est pas ça. Attendez. Mince, la planche est tombée. Ah non, c'est L1 pour courir. Enfin, courir, entre guillemets, hein, parce que là, courir... Ouais, j'y vais. Où? Mais faut que je saute. Non, faut que j'aille là. Allez, on va reprendre la planche. C'est moi qui fais tout parce que je suis plus costaud. Hein. Mais là, en temps d'apocalypse, là, t'as le temps de prendre. Vas-y, passe-la moi. Plein d'abdos et plein de muscles et plein de choses. Et comment je monte, moi, hein? C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en porter. D'accord. D'accord. Il est par là, je dois monter. Effectivement, c'est par là. Dites-moi si vous avez des astuces et tout, parce que bon, je débute dans ce genre de jeu vidéo. Enfin, non. Mais je débute dans le jeu plutôt. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. Ah ben je vais faire ton oui. Eh ben non, il n'y en a pas. C'est bon, on y va. Prends, t'arrêtes de t'accroupir à chaque fois que tu fais ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là après ce bref blanc. Ferme-la, ok. Oh, tu te calmes, petite, je sais pas comment tu t'appelles. J'adorais me dire ferme-la sans aucun respect. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode de The Last of Us Remastered. On est sur PS4, je vous rappelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez voir le prochain épisode le plus rapidement possible. Et mettez en commentaire vos avis sur ce jeu. Mais ne me spoilez pas, s'il vous plaît, parce que je connais plus trop l'histoire. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, donc je me rappelle plus trop. Et si vous avez des astuces, dites-les-moi en commentaire. Donc voilà, c'était Cantinox01. Bye!